Les CRS qui sont en train d'avancer. On a vu les manifestants balancer des barricades par terre et complètement et caillasser les pompiers, enfin bref, empêcher le travail des pompiers pour l'intervention en cours, alors qu'il y a un incendie qui menace l'arche juste à côté de la tour de la gare de Lyon, le pôle de la gare de Lyon et une pharmacie juste à côté. L'air devient irrespirable et a priori la gare de Lyon est elle-même devenue inaccessible. Alors les manifestants balancent des fumigènes, des pétards. Il y a une cinquantaine de CRS pour l'instant qui sont amassés juste devant l'incendie, qui ont repoussé les manifestants et qui permettent aux pompiers d'installer leur lance-flamme, leur lance à eau. Voilà.